Ouais, salut, c'est Fab, progressivisme.com. Écoute, je fais une petite vidéo là vite fait dans la voiture parce que je sors de l'entraînement, j'étais avec Jade. Ouais, ça se coupe. J'étais avec Jade Suvrine, donc numéro 26 français. Je m'entraîne régulièrement avec elle en tant que sparring. Et je vais vite partager, vite fait à chaud, donc ce qui s'est passé. En fait, Jade Suvrine, elle travaille, elle est un entraîneur, forcément, elle travaille pour progresser. Et il se trouve que sur les 3-4 derniers entraînements, bah, elle a utilisé 3-4 principes que j'ai exposés dans les vidéos. Donc les vidéos, je les mettrai dans le lien, dans la description, pardon. Et simplement pour dire que les 3 vidéos, c'était une, travailler les points importants, donc c'était commencer les jeux à 30A. Donc on a fait ça, en fait, on a fait 5-7, puisque les jeux sont beaucoup plus courts. Et du coup, c'était super, super intéressant. Il y a eu chacun, on a eu des trous au début, pris par la tension de ne pas rater le point, et puis du coup, il a fallu se relâcher. Donc ça, c'était mon problème au premier set. Donc j'ai réussi à redresser la barre. Elle a eu un coup de fatigue, donc un problème d'énergie, en fait, dans le quatrième set. Donc elle a pris une compote à boire et c'est reparti. Donc c'est ce qui montre que tout ce qui se passe sur un match, en fait, il est exacerbé par le fait que on démarre les jeux à 30A, et donc au lieu de faire des jeux entiers où on a plus le temps de se rattraper, se récupérer. Donc là, c'est imparable. Ensuite, deuxième vidéo, ça concernait au retour. J'ai fait une vidéo sur l'entonnoir court ou long, c'est-à-dire le fait d'avancer plus ou moins avant le retour, et après on part sur les côtés, donc ça fait une espèce de V, et donc il y a l'engagement au début et après le V. Et donc justement, elle travaillait ça avec son entraîneur, il fallait qu'elle passe à un entonnoir beaucoup plus court, parce que sinon elle était empalée dans la balle. Moi, c'est ce que je préfère aussi, un entonnoir très court à la Djokovic, c'est-à-dire quasiment du surplace, contrairement à Murray, lui qui avance de 4 mètres en fait pour avoir un retour. Troisième vidéo, en fait, ça concernait le près loin, c'est-à-dire la préparation doit se faire près du corps, donc le coude relativement plié pour relâcher vers la raquette qui passe assez près du corps pour pas être en tension justement si la raquette est trop loin, et au contraire allonger. Souvent les gens, ils préparent comme des malades, une énorme préparation, et puis finalement à la fin ils finissent avec une petite merdouille là sur l'avant, avec un gros mouvement de poignet où la raquette regarde au sol là. Et du coup, la balle n'est absolument pas traversée, elle n'a pas de longueur, souvent c'est boisé. Et donc justement, elle a travaillé ça parce qu'elle va partir sur la saison là de dur en hiver. Et du coup, la saison de terre étant terminée, on a souvent des défauts techniques. Donc la terre, c'est agréable, mais par contre, techniquement, c'est pourri. Donc à moins de vraiment travailler très fortement sur sa technique. Et donc là, elle modifiait ça. Donc ça veut dire qu'elle est en permanence en évolution. Et ça, c'est un exemple aussi que tout le monde doit avoir pour progresser. Il faut dire qu'est-ce que je dois travailler, quelle évolution je peux apporter à mon jeu. Et donc, prochain entraînement, posez-vous la question avant d'y aller. Qu'est-ce que je vais faire évoluer? Qu'est-ce que je vais travailler pour qu'est-ce que je vais améliorer? Et surtout, quoi, d'une manière vraiment hyper précise, en fait. Donc vraiment un détail, ce qui pourrait être un détail, mais finalement ça peut avoir des conséquences énormes, et surtout votre jeu, puisque ça va débloquer certaines choses. Et souvent on joue un peu n'importe comment, et puis on se dit justement c'est un détail, alors justement on n'en donne pas beaucoup d'importance, mais c'est tout faux. C'est une question après de mindset, d'état d'esprit. Et faites attention à votre environnement dans votre club aussi. Est-ce que, est-ce qu'il y a une envie d'évoluer? Est-ce qu'il y a un encouragement à évoluer? Ou on te dit, ouais, tu es trop à fond, là, tu te prends la tête, c'est n'importe quoi. Et donc là, l'environnement, votre club et les entourages que vous avez vont avoir une énorme importance. Donc je vous mets les liens donc dans la description en dessous, et vous pourrez aller voir les trois vidéos là que Jade met en... Finalement, ma application, alors elle n'a pas regardé mes vidéos évidemment, hein, mais ça montre bien que ce que j'ai expliqué, c'est valable pour n'importe qui, du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau, et que de toute façon, on fait le même tennis, hein, on fait le même sport. Il y a juste après les exigences qui changent, les volumes de travail qui changent, il y a insister sur les détails qui sont plus ou moins prononcés. Et voilà, après, entre le amateur et le haut niveau, c'est kiff-kiff. Hein. Allez, je vous dis à bientôt, ciao pour une prochaine vidéo. Donc ça, et la troisième vidéo, ça concernait... qu'est-ce que ça concernait déjà? Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt.